Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je fais une review Monster High avec Laguna Blue Picture Day. Alors voici la boîte. On retrouve en haut un film avec la photo de Frankie Laguna, Operetta, le nom Picture Day, le logo Monster High à droite. Ici son nom, Laguna Blue, avec un dessin qui la représente. Vous pouvez voir la poupée à travers la boîte. Ici, on a un petit dessin avec un appareil photo. I hope this photo isn't a total wash. Donc, il y a marqué que ici, on a un petit livret inclus, Fearbook. Elle est accompagnée d'une pochette, d'un sac, d'un socle et d'une brosse. Voici l'arrière de la boîte. Ici, on retrouve une photo de classe avec Frankie en meilleur ami, ainsi que Draculaura. Et Toralei est couverte d'eau, en fait, comme c'est son ennemi. Ici, on a du texte que je vous laisse lire. C'est en anglais, comme chez la boîte américaine. Donc voilà pour la boîte. Je vais à présent l'ouvrir. Alors, voici Laguna Blue déboxée. Elle est accompagnée d'un socle noir, brosse noire, d'une pochette, d'une planche de stickers, d'un livret et d'un sac. Je vais commencer par vous décrire son visage. Elle a un maquillage rose et bleu autour des yeux. On a aussi des paillettes. Un rouge à lèvres rose. Alors, elle a les cheveux longs, ondulés, blonds et bleus. Elle a une mèche en haut qui part sur le côté droit. Donc, on a un peu de lac pour faire tenir. Ensuite, elle porte des boucles d'oreilles. Elle a ici une boucle d'oreille rose avec des coquillages en motif. Et de l'autre côté, de couleur jaune fluo. Donc elle a une forme assez particulière. Alors on va passer à ses vêtements. Elle porte un gilet noir, donc en résille. Un manche courte. Ensuite, elle a une mini jupe. Ça fait un ensemble. Alors en haut, c'est tenu par un petit nœud, un petit ruban de couleur rose et pailleté, très joli. Au-dessus du vêtement, ici, on a du rose avec une sorte de petit nœud qui fait penser à des coquillages. Voilà. Donc c'est très brillant. Ça se voit pas trop à la caméra, mais c'est très joli. Ensuite, sa mini-jupe est de couleur bleu turquoise. Ça représente les fonds marins. On a des algues en motif, ainsi que des hippocampes. Et des poissons, mais ce sont des arêtes, en fait, de poissons. Au bout, on a du tulle de couleur vert, jaune fluo. Elle porte une ceinture en forme de corde, dorée, donc c'est en plastique en fait. Elle est aussi accompagnée d'un pantacourt rose, pailleté, très brillant, très flashy. Mais ça va très très bien avec sa tenue. Ensuite, elle porte un bracelet doré au bras droit. Ça fait des petites, comme des petites coquilles ou des boules, des bulles plutôt. Ensuite, un bracelet simple, rose, à l'autre bras. Elle a de jolies chaussures bleues, avec plein de bulles. Donc le talon aussi, c'est en forme de bulle. On va passer à son sac, qui est jaune et rose. Ça fait penser un peu à du corail en fait.
Voilà l'intérieur. Donc voilà pour la poupée. Je vais vous montrer maintenant sa pochette. Donc qui est turquoise, bleu turquoise. On a en motif ici un hippocampe. Voici l'arrière. Donc c'est avec des écailles en motif. La pochette peut s'ouvrir. Comme ça. On a un petit crâne Monster High ici. Alors elle a une brosse noire aussi, socle noir. Voici une planche de stickers. Donc avec Frankie, Operetta, Laguna, Cléo, Abby, Claudine. Voilà. Donc on a celles qui sont en picture day, les autres en basique. Et elle est accompagnée de son Fearbook. Ici, Laguna Blue. Donc c'est en anglais comme c'est la version américaine. Donc à gauche on a les profs. Donc là on peut coller les stickers. Ensuite on a une photo de groupe avec leur signature. Donc voilà. Donc c'était la review de Laguna Blue Picture Day. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois je ferai la review d'Operetta Picture Day. Et en attendant, vous pouvez regarder la review de Draculaura, Frankie, ou Cléo, ou Abby, ou Spectra sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut !